2850 mètres, hein, ça va être long. Et on s'énerve en dehors. Hein. Ouais. Celle-ci, c'est Golden Boy. Ouais, une première chance. Hein. C'est parti. On va partir au galop de chasse, hein, dans cette épreuve. Le 5, Brinkley Sketty avec le 4, l'Asso 6, 5 et 4 ensemble. Troisième position pour l'As Deduce avec First Condé, le numéro 6. Et puis nous avons Proud Rebel et Golden Boy qui sont à l'arrière. Ouais, tout de même, ça tire devant avec ce numéro 5, hein, Brinkless Ketty, qui est suivi toujours par l'associé, le numéro 4. Ensuite, il y a le 6, c'est First Condé, Andorre se rapproche Golden Boy, suivi par Proud Rebel et à la corde, et bien Deduce, hein, l'As. Ouais, on se dépense devant, hein. C'est vrai qu'on est au galop de chasse avec le numéro 5, Brinkless Ketty. J'aimerais avoir quelqu'un devant. Hein. Et regardez son jockey qui se retourne et personne ne vient. En deuxième position, il y a le 4, l'Asso 6, avec les deux casaques vertes en dehors. Hein. Proud Rebel qui s'est quelque peu rapproché. Et peloton toujours deux par deux. Et on a beau se retourner pour Brinkley Sketty qui tire beaucoup. Toujours le 5 avec le 3 Golden Boy à l'extérieur. En troisième position, nous avons le 4, l'Asso 6. First Condé ensuite, le numéro 6. Et à l'arrière, nous avons le 2, hélas, Deduce qui ferme la marche. Golden Boy qui vient cette fois tout à fait à côté de Brinkless Ketty, le 5, 5 et 3, toujours devant le 4. Et puis nous avons le numéro 6, First Condé, devant Proud Rebel et Deduce qui ferme la marche en net retrait. On va passer dans les tribunes, il reste un tour à effectuer. Hein. Et on se bat toujours avec Yael Otevar. Et Brinkless Ketty, le numéro 5. Ça a l'air facile, ça. Ouais, en deuxième position, le 3, Golden Boy. L'Asso 6 vient troisième avec le numéro 6, First Condé. Proud Rebel en retrait avec l'As, l'un des favoris, Deduce, qui est toujours dernier, légèrement décollé. Hein. Oui, oui, tout à fait. Avec Golden Boy qui devrait en profiter parce que c'est le cheval de la course en principe au poids. Le numéro 3, il attend encore, hein, avec en tête Brinkless Ketty, le 5. Le 5, Golden Boy, le 3. Ensuite, toujours l'Asso 6 avec First Condé, le 6. Et puis Proud Rebel et à l'arrière, Deduce. Et la ligne d'en face avec toujours Brinkless Ketty qui a vraiment beaucoup tiré, mais elle tient pour l'instant. On va lâcher les chevaux maintenant avec Golden Boy, le numéro 3, qui vient à l'extérieur tranquillement. La casaque grenat, c'est celle de l'Asso 6, hein, qui est toujours calé le long de la corde, avec le tournant final dans quelques instants. Le 6, First Condé, vient ensuite, et les deux autres en retrait. Hein, le 2, Proud Rebel, et là, c'est Deduce, qui était pourtant deux des favoris de la course. Ouais, mais c'est pas fini parce qu'ils se rapprochent l'air de rien. Ils refont pas mal de chemin avec Golden Boy, le 3 qui prend le meilleur maintenant sur Brinkless Ketty, qui n'en peut plus. Le 6 en dehors avec aussi le 4, l'Asso 6, et puis Proud Rebel va tenter de venir avec Deduce. Allez, Golden Boy qui a l'avantage. Il va être attaqué, Golden Boy, avec notamment First Condé, avec l'Asso 6, les deux casaques étoilés qui viennent l'encadrer avec tout à l'extérieur. Proud Rebel, le numéro 2, mais c'est sans doute le numéro 6 tout à la fin qui va faire la différence avec le 4 et le 3. Là, quelle arrivée! 6-4-3 sur la même ligne. On va revoir le passage hypoto ralenti.